tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous ai dit, demain matin, 8h15, je serai devant le truc. Bon, il est 19, c'est pas encore ouvert. Heureusement que je suis pas venu plus tôt. Donc là, je vais attendre que ça ouvre. Je vais récupérer mon drone, je vais aller le mettre à jour. Et après, je pense qu'on va décoller. Oh, peut-être pas direct, je dois bosser un petit peu, j'ai quelques commandes à faire à envoyer. Voilà, enfin bref. Vas-y, ouvre là. Ouvre. Bon, on se retrouve, il est juste là. Là. Juste là. Allez, on va tester. Voir si ça se lance. Caméra. Envoyer. Tac. Bon, moi qui étais si pressé de le recevoir, bah je vais être aussi pressé de le renvoyer. Alors, pour m'expliquer, c'est que... Alors, je ne sais pas si c'est une contrefaçon ou pas. Donc, je l'ai payé 100 euros moins cher, comme je vous l'ai dit. Déjà, ça a mis excessivement longtemps à arriver. Ça, c'est pas grave. Mais, voilà, j'ai trouvé... Déjà, quand je l'ai ouvert... Quand j'ai ouvert le carton, j'ai trouvé des trucs bizarres. C'est-à-dire que, en fait, là, vous avez des scotchs. Les scotchs étaient déjà coupés. Déjà pour commencer. Alors, techniquement, ils ne sont pas censés être coupés. Ensuite, bah, en fait, je n'avais pas vu la première fois. Et je l'avais vu à l'intérieur, en fait. Là, en fait, tout est écrit en chinois ou en coréen. Ou en fait, enfin bref. Je vais dire chinois, désolé si... Voilà. Et en fait, en l'ouvrant, toutes les notices sont en chinois. Je me suis dit, ok, voilà. Mais après, en fait, c'est en... Je l'ai testé. Je l'ai... Voilà. Mais finalement, j'ai remarqué que c'était... On va dire que c'est pas totalement le même que j'avais. Je m'explique, hein, parce que en fait, pendant un an, j'ai eu le même... Donc je sais comment ça vole, je sais comment il réagit, tout ça. Et là, déjà, franchement, je vous ai dit, hein, au première vue, le côté écriture chinoise, déjà qui m'a gêné, parce que la première fois, j'avais vraiment les notices en français, c'était soit français, soit anglais. Là, c'est chinois, chinois et chinois, hein. Voilà, donc tout est en chinois. Même il y a les scotch, tout ça, les protections, tout est en langage asiatique. La batterie me paraissait très très plastique comparée à la première, un peu moins lourde. Ouais, je vous dis, hein, ça fait, je l'ai utilisé l'autre pendant un an, donc déjà un petit peu moins lourd. Je l'ai rechargé et en la bougeant, en faisant ça là, elle faisait un bruit bizarre, donc. Je me suis dit mince, voilà, déjà que j'étais pas confiant en l'ouvrant, avec le côté de batterie, j'étais encore moins confiant. J'ai décidé de le tester quand même à l'extérieur, et là c'était le drame, c'était le drame. Trois trucs super importants, c'est qu'en fait j'ai commencé à le faire voler. Et en fait, d'habitude le drone décolle, il reste à 1m20 du sol et il bouge pas. C'est-à-dire que la stabilisation, elle est nickel. Il ne bouge pas, qu'il y ait du vent, pas techniquement. Bah, il peut bouger, mais la caméra, voilà. Là, il n'y avait pas du tout de vent ce matin. Donc, je l'ai fait décoller dans mon impasse et on le voit qu'il bouge dans tous les sens. Je me suis dit, ok, peut-être qu'il y a un petit coup de vent, que je ne le sens pas, hein, peut-être. Hein, voilà. Après, je décide de le faire décoller, donc un peu plus haut. J'appuie sur enregistre, donc déjà, ça met... 2-3 secondes avant d'enregistrer la vidéo. Donc j'appuie, normalement c'est ding, ça lance. Là j'appuie, j'entends 2, 3 et ding. Je me suis dit ok, bon bah ça c'est pas grand chose encore. Je le fais décoller,
Je fais quoi? 2 mètres, et là, au bout de 2 mètres, il me fait signal perdu à 2 mètres de moi. Bah, 2 mètres du décollage. Donc, je le ramène, hein, vu qu'il était à 2 mètres. Hein, j'arrive à le contrôler encore avec la manette, mais j'ai pas de caméra. Donc, je réessaye, je remets en registre. Donc, je le récupère, je remets en registre. J'essaye de le faire voler un tout petit peu plus loin. Là, carrément, l'enregistrement de la caméra s'éteint toute seule. Voilà, je me suis dit, ouais, bon, bah voilà, ça c'est fait. Je me suis dit, ok, je vais retester quand même. Donc, je le redescends, je le remonte. Bon, vous voyez, comme ma caméra qui s'éteint toute seule, mais avec mon drone. Voilà, donc j'ai essayé 2, 3 fois, et 2, 3 fois, il m'a fait la même chose. Donc, soit il me perdait le signal, soit la stabilité était pas bonne. Moi, techniquement, vous avez déjà vu mes vidéos drone. La stabilité est propre. Là, pour moi, elle n'y est pas. Voilà. Et c'est surtout qu'au bout de 30 secondes, en gros, la caméra s'éteint. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas filmer plus de 30 secondes sans appuyer. Et le pire, ouais, c'est que quand on veut arrêter, en gros, on ne peut pas. Voilà, donc trois défauts, trois grands défauts, je pense. Après, franchement, j'ose pas le faire voler plus loin. Parce qu'on ne sait jamais. Je me dis qu'on ne sait jamais. Je préfère. Donc, je l'ai reçu ce matin. Je vais le renvoyer direct. Je pense que je le renverrai demain matin ou tout à l'heure si je suis motivé. Parce que là, il faut que je range mon atelier. Il y a Sarah que vous avez vu dans le vlog d'avant-avant-hier. Je ne sais plus. Vient manger ce soir. Donc, enfin, bref. Super déçu. Donc, finalement, je suis obligé de le renvoyer. Je vais attendre avant de m'en racheter un autre. Puis je vais mettre un peu d'argent de côté, je me rachèterai un propre. Un propre, quand je dis un propre, c'est on va dire, légal. Dans la boutique légale. Parce que là, en fait, donc, je l'ai acheté sur Cdiscount. Le premier, je l'avais acheté sur Cdiscount aussi. Donc, j'avais pas eu de problème. Là, en fait, l'inconvénient, c'est que maintenant, Cdiscount, ils font des sous. Il y a des boutiques qui vendent par Cdiscount, mais c'est pas Cdiscount. Donc là, c'était une boutique annexe. Donc je suis parti voir sur leur site et ça me fait penser un peu à AliExpress. Voilà. Donc je pense que voilà, soit les composants sont pas top, soit c'est du truc voilà. Bon, je suis dégoûté, franchement. Finalement, il n'y aura pas de vidéo de drone. Bah, après, le pire, c'est que j'en ai plein de vidéos de drone que vous avez jamais vues. J'ai un disque dur entier de vidéos de drone, mais j'ose pas les mettre parce que finalement, c'est plus de saison. C'est que j'aime bien filmer au jour le jour et vous mettre les images que j'ai filmées ce jour-là et pas les images que j'ai filmées il y a un an. Voilà, donc super déçu. Donc, il était 100 euros moins cher. Bah, voilà pourquoi il était 100 euros moins cher. C'est parce que c'était une importation pas top. Voilà. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Donc, voilà. Voilà. Franchement, avoir un drone, voilà, parce qu'il y a Karine qui m'a laissé un commentaire sur mon truc. Il coûte assez cher et en fait, finalement, voilà, il marche pas. Donc c'est con. Désolé pour le gros mot, mais voilà. Donc désolé pour celles qui attendaient des vidéos de drone et ceux qui attendaient des vidéos de drone. Vous l'avez là. Je l'ai tout remballé, il est exactement comme il était, hein. Il est exactement comme il était. Ah oui, il y a aussi un défaut que je trouvais un peu abusé. Bah, en fait, c'est des petits défauts, mais sur l'original, ils sont pas ces défauts-là. C'est que, en fait, le prix, voilà, il y a la qualité avec le prix. En fait, vous avez des petits autocollants là. Et quand, regardez, je sais pas si vous voyez, en fait, ils sont mal collés et ils se décollent carrément, alors que sur l'original, ils ne se décollent pas. Voilà. En tout cas, c'est pas grave, je vais le renvoyer. C'est pris en charge par le truc. De toute façon, ça fait même pas une semaine que je l'ai acheté. J'arrive pas à le refermer, je le refermerai après. Là, je vais ranger mon atelier, ranger ma boutique. Ouais, parce que atelier boutique, c'est différent, je vous l'ai déjà dit. Je suis en train de les mettre en ligne. Alors, peut-être, je mettrai les nouveautés lundi.
Voilà. En plus, Sarah va venir parce que, en fait, à l'origine, elle veut voir les nouveautés. Et elle va voir les nouveautés des nouveautés. Ouais, parce qu'il y a ces nouveautés-là qui vont arriver, mais il y a encore après. Bah oui, en même temps, on n'arrête pas de me dire, ouais, Romain, t'es chiant avec tes nouveautés, tout ça. Mais en même temps, vous avez pris l'habitude. En même temps, je mets tes nouveautés quasiment tous les mois ou tous les 15 jours. Les pochoirs, ça a toujours été comme ça. Pourquoi changer? Malgré que c'est d'autres produits, donc maintenant, voilà, faut s'habituer. Donc, de toute façon, si, parce que j'ai beaucoup de commentaires aussi, je vais attendre les prochaines nouveautés. L'inconvénient, c'est que, comme je vous dis, il y aura toujours des nouveautés. Toujours, toujours. Et sinon, j'ai eu aussi un commentaire, voilà, de Fanny qui me disait, ouais, tu vas peiner à faire un truc comme ça. Hein. C'était pas exactement le texto. C'était, oui, toi qui n'as pas l'habitude de tamponner, ça va te faire bizarre. Alors, à vrai dire, parce que tu dois pas me connaître depuis, on va dire depuis le début, mais au tout début, j'utilisais beaucoup de tampons. Alors, regarde, hop, je vais prendre une page tout en bas. Ah non, celle-ci, non. Alors, je vais prendre à ce niveau-là. Et est-ce qu'il y a des tampons? Alors là, dans mon fond, il y a un tampon. On ne le voit pas. Là, par exemple. Ça. Avant, j'utilisais pas beaucoup de pochoirs. J'utilisais principalement des tampons. Pour la simple et bonne raison. C'est que avant j'étais dans une DT tampons, donc des trucs des tampons, j'en ai énormément, énormément. J'ai une boîte entière, j'ai ça et j'ai ça. Donc, quand j'étais chez la Compagnie des Elfes, donc c'était une boutique de tampons, et donc des tampons, j'en ai eu énormément. Mais à force, en fait, parce que j'ai, voilà, enfin bref, hein, de fil en aiguille, j'ai monté ma société, bon, ma société Termes Robot, bien sûr, voilà. Et c'est vrai que souvent, on m'a posé la question, ouais, est-ce que tu comptes faire que des pochoirs? Ah, je le sentais arriver, la coupure caméra. Ouais, franchement, quand vous avez la poisse quelque part, hein, vous l'avez partout. Non, mais je parle au niveau informatique. C'est pour ça que oui, je ne sais pas où ça a coupé en fait. Donc je vais me répéter. C'est pour ça que en fait, à chaque fois, on me disait, est-ce que tu comptes faire d'autres produits? Et au début, je disais non, non, non. Et finalement, oui. Voilà. Enfin bref, je vais arrêter là pour le moment. Je vais ranger tout ça parce que maintenant, j'ai ressorti en plus des tampons, tout ça rangé. Voilà. J'ai pas mal de choses à faire en rangement. Et il faut que je finisse de mettre mes nouveautés de juin, bah de voilà, en ligne, parce que là il me reste les tampons. Il y aura quatre sortes, quatre choix. Il y a un graphique, un vintage, un mot, et l'autre, on va dire un. Je sais pas. Je vais dire chevron. Voilà. Allez, j'arrête pour le moment. Je vous dis. Bah, tout de suite dans la vidéo. Alors, heureusement, j'ai rangé. Sarah vient d'arriver. Coucou. Et elle vient de dire, ça fait trop bizarre de la voir en vrai. Tu es la troisième? Quatrième, non? Non, la quatrième, elle arrive dans une semaine. Ah, d'accord. Donc tu es la troisième personne à rentrer dans l'antre. Dans l'envers du décor. Dans l'envers du décor. Alors elle est arrivée, elle est en train de regarder partout l'étoile. Ouais, elle n'en peut plus là. J'ai les yeux qui vont. Je vais finir par loucher à force. Et encore, là tu as regardé que créa de moi. Voilà. Alors là-bas, il y a ces deuxièmes stencils. Tout ça, c'est ces deuxièmes stencils. Voilà. Bon ben les enfants, je vous laisse. Moi, je vais faire un petit tour. Je repars avec tes caisses. Oh! Oh! Mais j'en ai parlé tout à l'heure. Ah, bon, ça va. Elle vient de voir les tampons. Ouh Ouh là 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 là! Oh, ils sont classe. Je vous dis à plus tard. On se retrouve pour finir ce vlog. Il est quasiment 22h30, c'est ça? Je ne sais.
Voilà, il est 22h30, vous avez peut-être pu entendre Corinne. Sarah vient juste de partir. Voilà, ça fait plaisir de, voilà, de parler avec des gens qui ont la même passion que vous. Voilà, enfin bref. En tout cas, je te remercie Sarah d'être passée et à ton chéri aussi. Moi, je vous dis donc à demain, ouais, parce que 22h30, faut que je monte ce vlog. Donc, c'est du rapide pour conclure. Je vous pouce bleu, voilà. Hein. Rien que pour ma déception du drone. Ouais, ça va mieux, hein, comparé à tout à l'heure. Mais bon, c'est la vie. Je vous dis donc à demain. Alors, peut-être pas vendredi créa, parce que normalement, c'est vendredi créa. Je sais pas, on verra. Allez, tchou.